Scène de panique dans le sud-est de la Turquie. Des roquettes ont été tirées depuis la Syrie ce dimanche, depuis une région occupée par le groupe État islamique. Une quinzaine de personnes ont été blessées. Dans cette ville de Kilis, plusieurs habitants ont manifesté pour réclamer plus de sécurité, car cette commune est régulièrement visée depuis le début de l'année. Lundi, une salve de roquettes a fait 5 morts, dont 4 enfants syriens. Les forces de sécurité turques ont affirmé que les soldats ont répliqué en ouvrant le feu en direction de la Syrie. J'étais assis devant ma boutique. Soudain, il y a eu de la fumée et un missile a frappé le bâtiment. Tout a explosé. C'était un gros missile avec plein de petits morceaux à l'intérieur qui étaient en fer. À chaque fois que quelqu'un claque une porte, ça nous fait sursauter. Nous sommes tous très nerveux. Ici à Kilis, nous ne sommes plus en sécurité. Près de 110 000 réfugiés syriens sont actuellement hébergés dans la ville de Kilis. Le premier ministre turc a assuré que son pays répondrait avec force à toute action qui le viserait.